C'est bien, bravo. Tu t'es surpassé. Incroyable. Comment t'as fait? J'y crois pas. Formé par du magma, refroidi rapide. En utilisant ces éclats, il parvient à contrôler le froid. Et lorsqu'ils sont usés et tombent, il ne lui reste qu'à les remplacer. Waouh, c'est cool. Intéressant. Remarquable, effectivement. Incroyable. Tu dois avoir drôlement hâte de voir ton grand-père. Oui. Mais... j'ai l'impression que... il voulait que j'apprenne quelque chose d'autre. Il te le fera savoir. Je sais. Et alors, je lui raconterai... absolument tout. Partenaire ? Merci pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Je veux dire, tu es vraiment... Bonjour. De retour ? Bien. Les choses se sont calmées par ici. On dirait, en effet. Peut-être que vous pourriez m'éclairer sur la situation. Et donc, les Légianas ont repris leurs habitudes, et nous avons pu éviter un véritable désastre. Ah, c'est impressionnant. Cependant, j'apporte des nouvelles inquiétantes. J'aimerais vous faire part de mes découvertes. Mais avant toute chose... nous avons trouvé des failles non naturelles un peu partout dans les environs. Énormément. Cela indique une importante activité sismique dans la région. L'activité sismique ? Ouais. Cependant, nous ne savons toujours pas si cela a un rapport avec le Velkana. Et puis, quelle est la cause de tous ces chants ? Attendez un peu. On dirait que tout est connecté. Le comportement des Légianas et la régénération du Velkana ne sont que des dérivés de ce phénomène. Si on ne met pas un terme à tout ceci, les irrégularités de l'écosystème vont continuer. D'accord. Mais quelle est l'origine ? La vouivre immortelle.